L'Allemagne et la Grèce condamnent conjointement la fermeture unilatérale de la route des Balkans. Cela ne résout pas le problème, a déclaré la chancelière allemande, qui plaide pour une solution à 28 et incluant la Turquie. Angela Merkel et Alexis Tsipras ont réagi à la décision mercredi de la Slovénie, suivie par la Croatie et la Serbie, de ne plus laisser passer de réfugiés. Du coup, 42 000 migrants sont bloqués en Grèce. En vertu de l'accord en cours de négociation entre l'Union européenne et la Turquie, les migrants arrivant en Grèce à partir de maintenant, et cela seulement, pourront être renvoyés en Turquie. Une route officielle pour les demandeurs d'asile serait alors ouverte en échange de la Turquie vers l'Union européenne. Mais le projet ne fait pas l'unanimité. La ministre de l'Intérieur autrichienne a par exemple déclaré qu'il était de nature à jeter les valeurs européennes par-dessus bord. Il y a urgence en tout cas, car en attendant, 450 migrants sont encore arrivés dans le port athénien du Pirée ce matin.